joyeux Noël! Ok, je sais que Noël est déjà passé, mais en Angleterre, aujourd'hui c'est Boxing Day. Ils célèbrent en gros le lendemain de Noël. Donc c'est férié aujourd'hui et demain. Donc c'est pour ça que j'ai gardé mon petit chapeau. Alors je sais que je n'ai pas beaucoup participé à Renard TV ces derniers temps. J'étais très occupée pour le reste. Je ne me suis même pas occupée de mon blog, c'est pour vous dire. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que je prends avec moi dans mon sac. Généralement, quand je ne fais pas Renard TV, j'ai tendance à porter le même genre de make-up, plus ou moins, avec quelques variations. Et j'ai également la mauvaise tendance de faire mon make-up dans le métro. Je ne fais jamais mon make-up à la maison. Pour une question de temps, de flemmardise quand je me réveille. Et c'est aussi une vieille habitude que j'ai eue quand je travaillais dans les magasins. Cette année, pour Noël, j'essaie de m'offrir une nouvelle trousse de maquillage. Ça, c'est de Benefit. Généralement, je n'aime pas trop leur sac, j'aime pas trop le design qu'ils ont, mais celle-ci, c'est une édition limitée. Elle est un peu chère, ça m'a coûté 22 pounds, mais comme c'est quelque chose que j'utilise tous les jours et qu'elle est assez robuste, je vais me faire un petit cadeau et je vais investir dans ça. Donc je vais vous montrer ce que j'emporte avec moi en général tous les jours dans mon sac à main. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Je n'emporte jamais avec moi du fond de teint parce que déjà ça en coule partout dans le sac. J'ai eu de mauvaises expériences en ce rapport-là. C'est une des choses que je fais à la maison. Avant de partir, je me mets soit une couche de BB cream, soit une couche de fond de teint ou soit rien. Ça dépend. Mais ce que je prends avec moi, c'est de la poudre. Celle-ci, c'est en fait une vieille boîte de Sephora que j'ai remplie de poudre. J'ai trouvé un pompon la neige et j'ai tout mis à l'intérieur, juste transvasé. Et j'ai mis à l'intérieur parce que cette boîte-là était plus compacte et était plus classe aussi. Et c'est pratique parce qu'elle reflète. Pourquoi on me voit? Donc des fois, j'ai juste à me regarder 2 secondes comme ça avec ceci. C'est pas mal. Mais généralement, je la laisse au fond du sac, pas dans celle-là. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une habitude. Comme vous avez dû le remarquer, j'aime bien me maquiller les yeux. Elena, sans son smokey eyes, c'est pas Elena. Donc, j'ai une sélection d'ombre à paupières que j'utilise. À la maison, j'ai celle-ci. Avec le nombre de palettes, vous avez déjà vu, mais évidemment c'est trop gros pour que je les emmène avec moi pour le boulot. Donc je préfère en général prendre des petites palettes comme ceci. Celle-ci est de MAC, couleur 57. Je les ai utilisées une ou deux fois dans mes tutos. Ce sont de très très belles couleurs. Et celle-ci est de Etude House que j'ai eu au travers des Yes Style. Et celle-ci elle est super pratique parce que elle a le pinceau et tout qui vont avec, alors que MAC a juste les couleurs. Donc voilà. En ce moment, j'ai plutôt tendance à porter des fards de couleurs assez neutres et assez naturelles. C'est juste parce que ça va avec tout. Donc, et c'est facile aussi à transformer quand vous faites votre make-up de jour et que vous passez à des make-up de soirée. Quelque chose que je fais souvent parce que j'ai tendance à sortir après le boulot pour voir mes copines et le reste. Et quand je suis vraiment à la bourre, j'aime bien utiliser ce fard-là qui est de Laura Mercier. Et c'est celui que je prends aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, il est assez naturel. On peut l'utiliser mouillé pour un effet un peu plus intense. Et ce que j'aime bien, c'est que il a des reflets assez intéressants, donc en fait, selon l'angle que vous regardez, il aura une couleur un peu différente, un peu vert, doré et le reste. Donc vous pouvez juste l'utiliser tout seul et ça marche très bien. Donc selon mon humeur du jour, je choisis entre ces fards-là. Ce que je prends aussi, mais ça je l'avoue, c'est pas très pratique, c'est des pigments de MAC. Et vu qu'en ce moment c'est la période des fêtes et que j'aime bien avoir les paupières qui scintillent, j'utilise celle-ci selon encore le look que je fais, mon livre.
Donc surtout quand vous faites le make-up dans le métro comme moi, il faut faire attention au, au virage et au reste. Mais j'ai ma propre technique, donc ça va. Et deux crayons, celui-là est de Noémie, j'ai utilisé plusieurs fois dans mes tutos les plus récents. Il est ok, il n'est pas génial, pas très intense, mais bon, il a une bonne taille. Sinon, j'ai celui-ci qui est de Givenchy et qui s'appelle, je crois que ça s'appelle le col, quelque chose comme ça, qui est un noir assez intense que j'utilise pour l'intérieur des yeux et tout. Ce que j'aime bien faire quand j'ai celui-ci, j'aime bien l'utiliser avec un pinceau comme celui-là. Ce pinceau-là, je l'ai eu gratuit avec un autre fard, mais l'autre fard, je ne l'utilise presque jamais. Et en fait, j'aime bien utiliser celui-ci après le crayon colle pour juste flouter l'effet. Dans le eyeliner, j'en ai deux. Alors, j'ai plusieurs sortes d'eyeliner à la maison. J'ai eyeliner liquide, eyeliner crème. Mais les eyeliner feutre, assez pratique quand vous êtes on the go, comme ils disent les anglais. Donc, j'ai celui-ci que j'ai eu sur Yestal, qui est de Majolica, qui est une marque japonaise. Et celui-ci, c'est... Il est marron, il a un effet moins intense sur les yeux, donc si vous voulez un make-up plus naturel et plus soft, c'est choisissez une couleur comme ceci. Sinon j'ai un eyeliner noir qui est de Shiseido je crois, et pareil c'est un eyeliner feutre. Donc c'est assez pratique à utiliser, c'est assez propre aussi. C'est du mascara, pour moi j'utilise celui-ci qui est de Bobbi Brown. Et c'est deux sortes de brush en fait. Et je dois l'avouer, généralement je ne suis pas très fan de Bobbi Brown, mais ce mascara il est absolument excellent. Il donne de la longueur, du volume, parfait. Donc il est très très bien. Une bombe pour les lèvres, donc celle-ci est de Innisfree, je l'ai ramenée de Corée. Et il m'en reste pas beaucoup, je l'utilise tout le temps. Cette bombe elle est absolument géniale, je l'adore. La prochaine fois que je vais en Corée, je fais le stock. C'est mes gouttes pour les yeux. Quelque chose d'absolument essentiel quand vous travaillez devant un ordinateur toute la journée et que vous portez des lentilles de contact. Et celle-ci, je l'ai achetée au Japon. Et absolument géniale, super facile à utiliser. Bronzer de MAC. Donc encore une fois, c'est une des choses que j'ai eu dans mes full packs et c'est quelque chose que j'utilise comme un blusher plus qu'un bronzer parce qu'il est assez irisé. Et surtout quand vous avez la peau bronzée l'été, ça vous donne un petit glow là. Et je l'adore, je l'utilise tout le temps. Et en plus il a une bonne taille, donc même si je l'utilise tous les jours, j'en viendrai jamais à bout. Et comme vous devez le savoir, j'adore les fossiles. Et une chose qui est essentielle quand vous avez des fossiles, c'est la glue. Une chose que j'ai remarqué, c'est que même quand vous utilisez des fossiles pas chers, si vous avez une glue de qualité, ça vous rendra toujours un résultat excellent. Et celle-ci, c'est la Duo Glue. La Duo Glue, et c'est en dark. Donc en fait, elle a une couleur grise, mais quand elle sèche, en fait, elle devient noire. Et c'est encore mieux si ça vous rend le résultat encore plus naturel, en fait, que d'avoir un fil transparent au bord des cils. Je sais qu'elle est assez chère, mais généralement je l'achète sur eBay ou sur Amazon. Elle est à peu près 7 pounds. Une glue normale, c'est celle-ci. Donc vous en avez beaucoup et vous en avez pour longtemps parce que une fois que vous la mettez, vous n'aurez pas besoin d'en remettre plus dans la journée. J'ai ce pack là qui est en fait Brozig de Benefit que j'ai acheté il y a des années de ça. Il faudra que j'en achète un autre d'ailleurs parce qu'il est très très vieux et j'ai remarqué que cette couleur là c'est la version dark de Brozig et c'est un peu trop foncé pour moi. Là pour l'instant ça va parce que j'ai les cheveux très foncés, mais comme vous devez le savoir, j'aime bien changer ma couleur de cheveux assez souvent et quand je me fais des couleurs plus claires, cette couleur là devient trop foncée. Alors j'ai un choix de lipstick que je change encore selon mon envie et mon humeur. J'ai
Ce gloss-là de Innisfree, parce qu'il faut toujours avoir un rouge dans sa trousse, quoi qu'il arrive. Qui que vous soyez, un rouge, ça vous rendra toujours plus glamour et tout. Bah, moi, j'avais acheté en Corée. J'ai ce MAC-là qui... Ah, celui-là est dans la teinte Amplified. Je l'ai utilisé plein de fois dans mes tutoriels. Donc en fait, c'est un beige qui a une couleur assez chaude. Donc si vous avez un make-up qui est assez neutre ou quoi, juste cette couleur-là va réchauffer tout le look et va donner vraiment une couleur spéciale. Un autre lipstick que j'utilise, c'est celui de Nars. Et celui-ci est dans la teinte Outsider, qui est plus dans une teinte orangée et transparente. Le dernier lipstick que j'adore, c'est celui de Shiseido, la couleur PK303. Et en fait, c'est juste un petit rose. Encore une fois naturel. Et celui-là. Il a juste une texture très crémeuse et très hydratant. Clarins, et c'est dans la couleur Papaya. Un peu plus flash. Et en général, ce qui concerne mes lèvres, je passe par différentes périodes. Soit j'utilise que des glosses, ou soit d'un coup j'ai eu l'envie d'utiliser que des lipsticks pendant plusieurs mois. C'est aussi celui-ci qui est de Trish McEvoy, qui est une marque assez chère, et qui a une couleur comme ceci. Une très bonne couleur, que j'adore, mais comme vous le voyez, je l'ai presque terminée. Donc, et là, il va falloir que je m'en débarrasse. Mais j'ai plusieurs pinceaux que je prends avec moi. Il y a celui-ci que je vous ai montré plus tôt, qui est vraiment un tout petit pinceau. Et j'ai ces trois pinceaux-là. Alors, j'ai celui-ci qui est en fait de MAC Kirkland, que j'avais fait une review quand je l'avais eu. Et celle-ci, c'est la mini-version du pinceau blush. Et je l'utilise tout le temps pour mon blush. Je l'adore. Il est super doux. Et j'adore la taille parce qu'il est vraiment très petit. Pour quelques raisons, j'ai juste pris la version normale du pinceau pour les yeux. Et je sais que beaucoup des gourous sur YouTube aiment bien dire qu'il faut un pinceau applicateur, puis un pinceau pour flouter. Mais généralement, j'utilise juste un seul pinceau pour me faire mes looks pour les yeux. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans mes tutos, j'utilise toujours le même pinceau et c'est celui-ci. J'ai celui-ci qui est un pinceau biseauté et celui-ci est de MAC. C'était mon tout premier pinceau de MAC que j'ai acheté. J'en ai que deux pinceaux de MAC en tout. J'ai celui-ci et celui-là. Donc celui-ci, c'est le 266 de MAC. C'est un pinceau biseauté. À l'époque, je l'utilisais pour mon eyeliner crème. Mais je me suis aperçue qu'en fait, un pinceau biseauté pour l'eyeliner crème, c'est pas si pratique que ça. Je m'en suis pas très bien occupée. Donc il est un peu dans tous les états. Mais je l'ai depuis très longtemps, donc en fait je préfère l'utiliser pour mes sourcils que pour mon eyeliner. Évidemment, recourbe cils que je ne peux pas m'en passer parce que j'ai des cils qui sont très très raides. Donc si je ne les recourbe pas, on ne peut pas les voir. Et en plus ils me rentrent dans l'œil, donc ça fait très très mal. J'ai un taille crayon. Celui-ci c'était un taille crayon Chanel, tiens. Un vieux miroir Yestal qui a bien fait la guerre aussi. Et enfin, une pince pour mes cils, mes faux cils. Et en général, ça me prend juste quelques secondes d'appliquer mes faux cils. Mais celui-là est bien pratique si vous voulez juste ajuster sur le coin. Ici, et surtout ici, quand ça relève. J'avais une autre sorte de pince dont j'avais parlé sur le blog il y a quelques mois. Mais j'ai trouvé celle-ci dans un magasin à Kyoto. Et même encore plus précise que l'autre pince que j'avais. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce que je prenais avec moi dans ma trousse de maquillage. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir dans une prochaine vidéo ce qu'il y a dans mon sac à main, en dehors du maquillage, faites-le moi savoir. Écrivez des commentaires en bas et je verrai ce que je peux faire. Si vous avez d'autres requêtes, faites-le moi savoir aussi en bas. Et en attendant, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi, quelque part, par là, un jour je trouverai où c'est exactement, je le montrerai sans problème. Vous pouvez aimer cette vidéo.
Maintenant, je vous laisse à une prochaine vidéo. Bye.